Salut tout le monde les amis, c'est Drawinik, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ni no Kuni et la vengeance de la sorcière céleste. Donc je sais plus exactement à quel épisode on est rendu, je crois qu'on est rendu au 10, hein, au 10e épisode je crois. Donc la dernière fois on avait traversé le bois Bolet, mais on n'avait pas encore rejoint Almameu. On s'était bien fait avoir par plusieurs ennemis qui sont dans cette forêt, qui sont assez chiants et qui viennent beaucoup vers vous. Donc voilà, donc pour moi il faut aller par là, vous voyez où la zone où il y a de l'ombre. Je pense pour pouvoir aller rechercher et retrouver Mameu, je crois qu'il s'appelle. Donc là on a un petit cochon d'âne, ça va être parti. Je vous rappelle, on fait des épisodes d'à peu près 30 minutes, donc on continue ce let's play. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo dessus et je voulais en faire parce qu'il faut quand même que je continue mes let's play. Et que je sois régulier, bon même si ça plaît pas à énormément de monde. Enfin je veux dire, il n'y a pas énormément de monde qui regarde ce let's play par rapport à celui de Sniper Elite qui fait à peu près le double niveau vue, il fait à peu près le double hein, on va dire Sniper Elite V2. Mais après voilà, ils sont aussi longs à faire les épisodes de Sniper Elite V2. C'est à peu près le même temps qu'un de Ni no Kuni, mais le prochain de Sniper Elite V2 arrivera très prochainement. Voilà. Oula, attention, ah merde je peux pas me défendre avec lui. On va prendre Minino tiens. Attention à de la vie là. Voilà. Impeccable. Allez, lui, attaque-le. Allez, hop. On va essayer de l'avoir vite fait. Boum. Voilà, impeccable. Ah. Hop. Oh, zéro. Je comprends pas pourquoi ils mettent des comment. Pas des PV mais des PM. Et quand vous attrapez la boule, ça vous donne rien quoi. Ah bah logique, je suis bête, c'est parce que j'en ai 43 déjà. Donc logiquement, on doit monter là. Mais attends une minute, je viens d'avoir un éclair de génie. On peut faire pousser ces champignons grâce à la magie, non? Ah, pas con. Alors, c'est quoi? Alors, on a cueille-cœur, passe-cœur, crochetage, appel de familier, croissance rapide, voilà, ça doit être ça. Ah, ça a l'air de faire quelque chose. Ça, c'était la... Là comment le pouvoir qu'on avait acquis dans le dernier épisode je me rappelle. Donc voilà, maintenant on peut faire pousser des choses rapidement. Ça va nous être utile je pense. Donc voilà, comme ça on peut passer là. Le passage est libéré. C'est parti, on continue. Alors en tout cas le paysage, enfin la forêt est vraiment très belle. Hein. J'aime bien les couleurs un peu printemps. Avec les arbres et tout, c'est vraiment classe. Bon bah Minino, hein, toujours le plus beau gosse, le Minino. Allez tiens une petite lamératique. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Boum 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 boum. Boum, allez 12 dégâts. Hop, allez on reprend un peu de vie là. On va attendre qu'il nous attaque un peu. Allez go, allez hop. Ils font mal, ils font mal. On peut pas se défendre. On va changer, on va prendre lui granule, je l'avais appelé, je sais pas. Non, c'est pas moi qui l'avais appelé comme ça. Ah oui, c'est le nouveau qu'on a jamais testé. Le nouvel pas j'allais dire amiibo mais c'est un familier. Ah, il fait pas énormément de dégâts. C'est quoi ça? Esquive, il peut esquiver. OK. Et il a somnibule. Des bulles soporifiques qui envoient l'ennemi visé au pays des rêves. Tiens ça. Ah ouais, pas mal. Ça l'a endormi quoi en gros. Oula par contre on avait presque plus de vie. On va reprendre Oliver et on va prendre des provisions. Un petit sandwich. Hop. Voilà, impeccable, ça va nous redonner toutes nos vies. Allez, on va leur mettre un petit sort. Morsure glaciale. À lui tiens. Ça fait très mal ça, je me rappelle comme sort. Boum, 25. Et on va faire un petit dernier sort. J'utilise hop, hop, impeccable. Un sort de boule de feu à lui. Bim, allez, tu meurs. Plus que lui. Allez, il fait 2 de dégâts, Oliver. Allez, un dernier attaque. Voilà, bien joué. Impeccable. Ah ah, je l'ai contré. Boum, comme ça je peux le finir. Ah, quand on contre un ennemi, il a à moitié étourdi. Impeccable. Donc j'espère que c'était par là, je suis sûr, enfin, c'est sûr que c'était par là sinon il nous aurait pas demandé
d'utiliser notre nouveau pouvoir. Voilà. Ah, attention à l'ennemi là, la bête. Elle va se retourner. Ah, ok. Bon, tant pis, on est obligé de la battre. La battre, c'est pour ça que c'est assez long de passer ces forêts, vu que c'est très sinueux et c'est très étroit, c'est long, quoi, de passer ces passages-là. On a tout le temps des bêtes qui viennent nous embêter, et on est obligé de les battre. Allez, viens là, viens là. Boum, boum, 5. Il fait quand même mal, le monkey, je trouve. C'est le familier qui fait plus mal qu'on a pour l'instant. Allez, bim. Pour l'instant, ils font que 5 de dégâts, mais je suis sûr, après, ils font énormément de dégâts. C'est fou, ça. C'est sûr, je l'ai. Hop. Voilà. Excusez-moi, j'avais un truc sur mon ordi. Alors, granulateur niveau 7. Même il n'a pas attaqué. Il ou elle, je sais pas, bah un familier, donc il. Ah, un nouveau point de sauvegarde. On va sauvegarder là. Et comme ça, on reçoit nos PV. On va sauvegarder hein, au cas où le jeu cracherait, je pense pas. Hop. Allez, une toute jeune créature. Je sais pas combien d'heures de jeu on est exactement, je pense qu'on est à 10 heures à peu près. On doit pas être loin des 10 heures, sachant qu'il fait 30 minutes par épisode. Ouais. Ouais, je sais pas, exactement, je sais pas. Peut-être 5 heures, je sais pas. Regarde, monsieur Lumi. Regarde, monsieur Lumi, une source. Mais elle est complètement asséchée. Nom d'une fée. C'est pas beau à voir. Hein. Mais au moins, on sait quel est le problème. Ah bon? Eh bien, c'est la source de vie. C'est grâce à ce qu'il y a, bombance dans la forêt. À ça qu'il y a bombance dans la forêt. La raison pour laquelle les fées ont filé l'arbre dans lequel se trouvait cet œuf de familier a flétri cette source, c'est Tari. Ça pour un Kuba qui serait capable de faire une chose pareille. C'est méprisable. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Lumi? Ma loupiote qui gigote me dit que le coupable va faire son apparition. Comme par hasard. Fais-moi confiance, mon pote. C'est toujours comme ça que ça se passe. Attention, peut-être un nouveau boss. Ah, ça sent le nouveau boss. Tu vois? Ouh là là. Ouh, il a l'air classe. Ouh, il a l'air badass aussi. Ah, putain, il est puissant. Hyper gros. Oh la vache. Gladiator, gardien du bois volé. C'est parti pour un nouveau boss. J'espère qu'on est quand même à pas mal de PV, parce que sinon, pour le battre, ça va être chaud. Bon, on va garder l'hiver juste pour voir à combien. Oh ouais, c'est bon, on est pas mal niveau PV. Alors, je pense qu'il va faire des attaques... Ouais, pas à distance, je veux dire, de proximité. Allez, hop, attaque-le. Ah, ah, la défense, la défense, la défense. Ouh, j'ai pas eu le temps de défendre. Ouh, il fait mal, il fait très mal. 32 dégâts. Allez, on reprend le minino. Il va falloir faire attention. Aïe. Allez, un peu de vie là, un peu de vie. Merci Lumi de nous en donner. Ça fait du bien. Allez, une lame erratique. C'est moi qui tape avant toi. Boum, boum, boum. J'espère qu'il va faire, ouais, 10 de dégâts, ça va. Ah, ah. Pourquoi je fais start, hein? Oui, au dernier moment, j'ai eu le temps de faire la défense. Ouh, jolie défense. Aïe, il fait très mal, hein. 16 de dégâts, quand même. Allez, allez, on prend la villa et on repart sur Monkey, par exemple. Allez, ouais, Monkey. Oh non, Monkey, 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 hop, on va essayer de faire un esquive avec lui. Ouais, joli. Non, non, attaque pas parce que t'es pas assez puissant, toi. Enfin, surtout qu'il a pas d'attaque, quoi. Hop, allez. Allez, Monkey, concentration. Et frénésie, go. Oh non, purée, il attaque encore. Oliver, faut qu'il défende ça. Ouais, bien défendu. Ah, on a des PM, on va pouvoir peut-être faire la morsure. Aïe, ouais, non, vaut mieux qu'on fasse les premiers soins. Hop, voilà, ça va faire du bien. Hop, joli. Allez, sort de morsure, s'il te plaît. Morsure glaciale. Boum. Allez, 32 dégâts.
Ça fait du mal. Merde, pourquoi j'attaque? Pourquoi j'attaque? N'importe quoi. Tiens, il a l'air d'avoir de la vie là. Ah, il est là-bas, vie. Allez, Minino. Attention de ne pas te faire tuer. Allez, la vie là. Allez, la défense. Bim, les PV, 15 de PV. Allez, la petite lame erratique pour faire un peu de dégâts. Ça fait pas vraiment de dégâts, c'est toujours bien. Et 9, c'est pas énorme, ça lui enlève quand même un peu de vie. Allez, la défense. Oh purée, j'enlève au dernier moment, je crois. Ouais, j'enlève la défense au dernier moment. Je me suis dit, je vais avoir le temps d'aller chercher ça. Allez, il va falloir reprendre Oliver. Et un sort de premier soin, s'il te plaît. On va en faire un autre. N'attaque pas. Aïe. Premier soin. Allez, un autre sort. J'aimerais bien faire un sort de morsure glaciale. Ah, attention. Attention, il va m'attaquer. Non, même pas. Allez, morsure glaciale. Boum. Allez, 30 de dégâts. Bientôt à la moitié de sa vie. On va prendre Monkey, tiens. Allez, hop, Monkey. Non, non, en fait, non, pas du tout. Parce que Monkey, il peut pas défendre. Allez, défense. Bim. Allez, viens, viens attaquer. Faut l'attaquer, là. Y a pas le choix, de toute façon. Oui, 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 oui. Allez, une lame erratique. Boum. Allez, j'espère qu'on va pouvoir défendre après ça. 9 de dégâts. La défense. Ouais, joli. Allez, là on a des PV, on a des PV. Allez, va attaquer Monkey. Pourquoi je l'appelle Monkey alors que c'est Minino, je suis bête. Hop. Allez, il va falloir faire un sort de premier soin là. On va être obligé. Attention de ne pas mourir quand même. La défense. Allez, 8. Ça va. La boule de feu, allez. La boule de feu, boum. Allez, il est à moitié de sa vie exactement, là. À peu près. Il est quand même costaud. Hein. Allez, loupe ton attaque. Que je fasse un sort de premier soin. Et je vais lancer le Minino. Allez, hop. Allez, maintenant on l'attaque un peu. 6, 5, 5, allez. Hop, on prend ça. Maintenant, on va prendre... Ouais, on va reprendre l'hiver. Un sort de premier soin, c'est vachement important ça. Et on va lancer Monkey. On va lancer Monkey juste après cette attaque. Voilà. Allez, Monkey, c'est parti à toi. On va le mettre en concentration et en frénésie. Allez, frénésie pour Monkey. Allez. J'espère qu'il va faire mal. Encore, encore. Ouais, pas mal, pas mal. On vient chez Oliver. Un petit sort. Allez, morsure glaciale, tiens. Boum. Ah. Ah, il est vénère. Oula. Attention, il va charger. Allez, belle défense là. Attention. Parce qu'il y a de la fumée qui sort de ses oreilles. Et un petit sort de premier soin. Ça ferait pas de mal. Allez, c'est parti pour toi, Minino. Une petite lame erratique, s'il te plaît. Boum, 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 boum. Allez, 15 de dégâts, ça c'est bon. C'est bon pour le finir, là. Allez, hop. 6, 8. Allez, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il nous faut Oliver, là. Allez, un peu de PV, voilà. J'aimerais bien... Ouais, non, on a que 1 de PM. Allez, faudrait en avoir un peu plus, là. 5. On va lui mettre une morsure glaciale. Là, ça va bien lui faire mal. Boum, allez, c'est bon. Il perd pas mal de vie, là. Allez. Oula, attention, attention. On va prendre une provision, un sandwich. Voilà, impeccable. On récupère tous nos PV. Un sort... non, on peut pas faire de sort, là.
Allez, Mini nous défend. Allez, attaque un peu. La meilleure contre-attaque. Ouh, attention. Il va vite charger. J'ai comme un mauvais pressentiment, mon petit Oli. Je crois qu'il va foncer dans sur toi. Remonte ta garde, petit gars. Allez, défense, défense. Donc ça va, il se loupe, il se loupe. Ouh là là, il attaque, il attaque. Allez, Oliver, il nous faut une morsure glaciale. Attends une seconde, mon petit Oli. Oula. Qu'est-ce qu'il va faire? Prends ça, espèce de brute. Boum. Non. Tip top, saisis l'occasion, petit gars. Allez, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer. Avec Monkey qui fait mal. Allez, encore, encore, encore. Encore, ça fait du bien, là. Hop. Oui, il prend cher, il prend cher. Allez, encore, encore, encore. Allez, maintenant, on va reprendre Oliver. Et un petit dernier sort, ça va être bon. Je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Morsure glaciale. Boum. Allez, 27. Et c'est bon, on a eu le boss. Eh ben, je suis content parce qu'on l'a eu du premier coup, vous voyez. Et souvent, par exemple, le dernier boss, on l'avait eu en 3 coups. Le premier, on l'avait eu en 1 ou 2 coups. Et là, premier coup, ça fait plaisir. Impeccable, donc là, on va monter pas mal nos persos. Niveau 8, niveau 11. On est tous niveau 11, sauf la petite plante, là. C'est sympa. On gagne pas mal d'attaques. C'est cool. Vous avez reçu une page décrivant le gladiator. Ah, il va peut-être nous parler. Ah non, il part. Au revoir. Au revoir, gladiator. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire de beau, Lumi? On a eu chaud. Lumi. Oui, Lumi. On a eu chaud. Cette horrible créature est partie. Ça n'était pas n'importe quelle créature, Oli. C'était le gardien de cette forêt. Gardien, tu veux dire comme le gardien de la forêt? Exactement, c'est ce que je disais. La force vitale peut faire naître des choses un peu partout. Et dans des endroits comme cette forêt, le désir des habitants est de protéger leur habitat. De grosses bestioles comme celle-là que t'as combattu à Bois Obscur et celle que nous venons de croiser, je ne sais pas si t'as vu, mais ils avaient un regard bizarre. Tu crois que Shadar, ça m'étonnerait pas qu'il trempe dans cette triste affaire. Assécher une source est bien le genre de du coup fourré dont il serait capable. Ça perd l'hypopète. Bon, le gardien a retrouvé son état normal, mais qu'allons-nous faire à propos de la source de vie? J'ai réfléchi à ça, monsieur Lumi. On a soigné l'arbre où se trouvait l'œuf, non? On pourrait peut-être utiliser le même sort pour restaurer la source. Si c'est pas de la jugeote, mon petit Oli, faut croire qu'une partie de mon intelligence a déteint sur toi. Et c'est mon petit garçon. Allez, c'est parti. On va lancer le sort. Il faut que tu utilises le sort dont tu t'es déjà servi. Utiliser un sort pour rendre sa splendeur. Bon bah, pour moi, ça va être le sort... Cure de jouvence. Et c'est parti. Là, l'eau va rejaillir dans le fleuve, je pense. Belles animations. Dans cel shading. Là, les poissons qui revivent. Et c'est toute la forêt qui va revivre. Elle est beaucoup plus verte maintenant. Je sais pas si ça a changé. Alors, c'est à ça que se ressemble la vraie source de vie, c'est tellement joli. Tu l'as dit, Oli, et maintenant que le gardien et la source ont retrouvé leur état normal, les fées ne vont pas tarder à revenir. Génial, j'espère vraiment qu'on croisera des fées la prochaine fois qu'on viendra. Moi aussi, mon petit Oli, moi aussi. Bon, allez, il faut aller à Almaeu. Oui, chef. Alors, par sa pureté, le cœur de la source de vie a brisé un sceau de l'almanach du magicien. Ah, ça, c'est un peu comme, comme Voldemort avec les Horcrux. Ok. Alors, on va continuer par là. C'est par là qu'il faut aller. Avec le petit symbole de la quête, ça c'est vachement bien je trouve pour nous indiquer le chemin, je le répète souvent. Mais je trouve que c'est un bon point. Alors, au bois bolet, maintenant on doit continuer. Attends mon petit Oli, il doit y avoir des monstres sacrément féroces dans le coin. Essaye pas de jouer au dur en allant tous les combattre. Il faut qu'on rejoigne Amaeu le plus vite possible. Ok. On va essayer de pas trop en croiser. Alors on va regarder sur la carte, qui est très belle, faite à la main je pense. Alors ok, ouais, faut aller là, c'est quand même assez loin. J'espère qu'on va vite y arriver. Oula, attention bête là. Oula, il y a un cochon, ouais mais le cochon il est con. Il sait pas trop se déplacer. Ouais c'est par là qu'il faut aller.
Ouh, attention, attention à lui. Ouh là, lui. Ouh, il va être puissant, lui. Je sens en plus, il va avoir l'avantage. Oh, il est classe. Chalergique. Allez, vite, par. Aïe. Allez, un petit sort, morsure glaciale, et on n'en parle plus. Boum, la moitié de sa vie, Minino. Attaque-le. Hop, hop. C'est vrai qu'ils sont, ils font mal, hein. Vache. Allez, bim, on récupère un peu de vie. Que 3. On va se faire un premier soin direct. Parce que là, ils font mal. On est à 20 minutes de vidéo. Encore 10 minutes. Hop. Alors, un premier soin. Voilà. Ou encore un autre. Voilà. Alors, continuons par là. J'avais oublié qu'on pouvait tourner la caméra. Donc, il faut pas que je trouve que j'ai... Ouais, mais lui, il va venir vers moi, du coup. Est-ce qu'on peut passer par là? Non. Ouais, tiens. Là, il va plus nous regarder, je pense. Ah, retourne pas. Ouais, impeccable. Ah, merde. Il se retourne. Bon, allez. Pour pas qu'il ait l'avantage, faut aller toujours vers eux. Allez, un chat allergique encore. Allez, Minino, direct. Allez, faut lui faire mal, là. Boum. Cri de guerre. Je sais pas ce que ça fait, ça le rend plus puissant. Ah oui, ça le rend beaucoup plus puissant. Oula, attention. On va reprendre Oliver tout de suite. Il va falloir lui lancer une morsure glaciale. Boum. Est-ce qu'il a lâché quelque chose? Non, il a rien donné, rien droppé. Hop. On est à 11, toujours niveau 11. On continue. Ah, on a gagné une glace. Est-ce qu'on va pas pouvoir... Ouais, on va aller vite fait là dans notre sac. Oh ouais, tiens, d'ailleurs. En parlant de ça, le goût amer, notre zille, posons restaure 10 PM. Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça non plus. Ouais. Bon, alors, regardez, on va prendre des premiers soins, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là et on va améliorer à la ménagerie nos familles. Alors, on a Minino Monkey. Alors, bonus de précision, bonus d'esquive. Tiens, d'esquive pour Minino, ça peut être pas mal. Et la précision, on va la donner à Monkey. Ça va être utile vu qu'il attaque souvent. Hop, voilà. Et il donne un peu de précision. C'est toujours sympa. Alors, on continue par là. On va essayer d'aller là pour pas qu'il nous voit, lui. Attendez, on va là 2 secondes. J'attends qu'il se retourne. Non, c'est bon. Il va pas nous voir. Impeccable. On continue. Oh là là, c'est vachement joli, je trouve, les dunes comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ok, toujours tout droit, à peu près. On esquive pas mal de bêtes. Ouais, va falloir tourner à gauche, là. Voilà, là. Attends, faut pas qu'il nous voit, lui. Ah, merde, trop tard. Il nous a vus. Je pense que jusqu'à... On va s'arrêter juste quand on sera arrivé là-bas. Alors, hop, Minino. Allez, attaquez. Oula, la défense. Allez, une lame erratique, s'il te plaît. Boum, 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 boum. Allez, 11, 10. Impeccable. Monkey, à toi. Attaque bien. Allez, un de tuer. Il fait mal, c'est quand même Monkey, je trouve. Oula. Ouh, jolie la défense, là. Allez, hop. On prend Minio pour le finir. Bam, bam. Voilà, impeccable. Super. Encore un match de gagné. Des familles de battus. Hop, on continue. 46 XP. Lait crémeux. Lait crémeux, est-ce que c'est à utiliser dans la ménagerie, ça? Non. Ok. Ouais, donc on va continuer là. C'est là, je crois. Ouais, c'est là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, c'était un familier. J'avais cru que c'était genre un... Ah, Helio, comme le soleil. C'est-à-dire soleil en grec. Bon, bah, Minino, c'est parti. Allez. Ouh, joli. Ouh, il fait mal, Helio, là. Une morsure glaciale, je pense, sur Helio, ça peut faire mal. Ouais, oui, ça lui fait très mal. Très mal. Allez, un petit sort quand même. Ou non, une provision. Café... Ouais, ouais, un café glacé, tiens. Comme ça, je vais pouvoir utiliser mon sort. Sort de premier soin. Hop, impeccable. Et récupérer un PM, là. Ensuite, Monkey à l'attaque. Ah non, 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 non. Oui. Ouais, non, on te garde toi. Premier soin. Ça se trouve, si je l'attaque avec une boule de feu, vous pensez que ça va lui faire mal? On va essayer ça, boule de feu sur toi. Ah bah non, ça lui fait pas mal. Vu que c'est le feu, je suis bête. J'aurais dû m'y en douter, mais ça se trouve, ça aurait fait l'effet inverse. Boule de feu par contre sur toi, je pense que ça va te faire mal. Ah non, même pas. Même pas, même pas. Bon allez, Monkey, on te jette. Attaque. Allez, bim. Allez, 19. Ouh, il fait mal, il fait mal, il fait mal. Très mal, très mal. On va devoir utiliser, ouais, le premier soin maintenant. Ah, des PV là. Maintenant, Minino. Allez, faut le finir, faut le finir. Hop. La défense de Minino. Et l'attaque. Petite contre-attaque là, bien sympa. Voilà, bien joué. On récupère tout ça. Ah, on n'a pas pu. Hop. Donc là, on est à combien? On est à... Ouais, on est à 27 minutes de vidéo. On va s'arrêter juste en face, je pense, de l'endroit où on doit aller. Alors, où est-ce que c'est? C'est tout droit. Là, faut aller tout droit. Non, non, viens pas me faire chier, viens pas me faire chier. Ah, c'est bon. Impeccable. Ah, c'est là. Ah, c'est là. On est trop loin, ouais, c'est bon. Impeccable. Viens pas me faire chier. Ah, purée, en plus, il me prend par derrière. Hop. La somniflore. Turban, dites. On n'a jamais eu seul. Allez, une boule de feu sur toi. Ah oui, ça fait rien, les boules de feu, là. Ah, mais je pense savoir pourquoi ça fait rien, c'est parce qu'on est dans le désert. Donc, c'est logique. Par contre, les morsures de glace, ça devrait leur faire mal, logiquement. Voilà. Oula! Oula, va falloir défendre. Va falloir défendre en premier soin. Il va en falloir un autre peut-être. C'est même sûr. Allez, hop, un premier soin. Et enfin, un morsure glaciale. Une morsure glaciale, ça peut être génial. Ça pourrait le finir, je pense. Enfin, peut-être pas le finir, mais quand même bien l'endommager, voilà. Hop, un Monkey. Non, non, Monkey, non. Bon, tant pis. Concentration. Concentration. Et là, frénésie. Et c'est fini pour toi, limite. C'est presque sûr. Regardez comme il fait mal. Boum. Impeccable. Et on récupère des PM en plus. Voilà, impeccable. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Par contre, j'ai peur que... Ouais, mais on est quand même à deux pas, donc on va peut-être aller jusqu'au bout, quand même. Ah, c'est par là, ouais, c'est là. Ouais, si, on va aller jusqu'au bout. Essayer de pas se prendre l'hélio, là. Voilà, impeccable. Ça va être bon, logiquement. Nous voici arrivés à Alma ME. Donc on va s'arrêter là les amis. Ouais, c'est triangle. Voilà, je vais pouvoir sauvegarder. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, qu'elle vous a un peu diverti. On se retrouve pour de nouvelles vidéos sur ce jeu, l'épisode 11. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait vraiment plaisir. Et à commenter, ça serait aussi vraiment cool. Salut tout le monde et à bientôt.